Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparer les uns et les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler aux autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais qu'on voit le verset 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu bénit sa parole. Alléluia. Nous connaissons déjà ce verset. Amen. C'était une promesse que Jésus-Christ avait faite à ses disciples lorsqu'il était prêt de monter. Amen. Donc il était rassemblé avec les disciples quelque part, il était en train de parler sur la lune qui était apparue. Et Jésus-Christ montait. Et là, tout déclare que les disciples avaient le regard fixé sur le maître, le regard fixé sur Jésus. Et pendant qu'ils fixaient Jésus monter, il est décrit que, et Dieu leur a parlé, et leur a dit que, pourquoi le regardez-vous monter? Parce que de la même manière que vous le voyez monter, c'est pour ça que vous allez le voir descendre. Amen. Et je me rappelle que lorsque, aujourd'hui, Élie est en train de monter, Élisée avait aussi les regards fixés sur lui. Amen. Et parce qu'il avait le regard fixé sur le maître, là déjà qu'il a le manteau qui est délit, qui est automatiquement tombé. Et Élisée a pris ce manteau, il a divisé le judaïque et il est passé. Alléluia. Ce qui veut dire que pour d'abord être rempli du Saint-Esprit, pour d'abord avoir une œuvre de feu qui va tomber sur toi, il fait que premièrement tu puisses avoir le regard fixé sur celui qui t'a promis l'Esprit. Amen. Pourquoi tu puisses recevoir quelque chose? Pourquoi tu puisses recevoir l'onction de ton père? Il faut que tu puisses d'abord avoir les regards fixés sur ce père qui est établi sur toi, sur ce moment qui est établi sur toi, afin que ce qu'il a en lui puisse tomber sur toi. Pourquoi? Parce que un fils n'est pas celui qui reçoit le manteau de son père, mais un fils est celui qui reçoit l'esprit de son père. Je disais, un fils, je l'ai dit, je confesse du nom de toi, un fils n'est pas celui qui reçoit le manteau de son père. Mais un fils est celui qui reçoit l'esprit de son père. Pourquoi? Parce qu'un fils travaille aux côtés d'un père déjà le manteau de ce père. Amen. Un fils qui est dans l'intimité de ce père déjà le manteau de ce père. Mais il aura des sacrifices. Il aura d'abord les yeux fixés sur le père afin de recevoir l'esprit qui est sur le père. Raison pour laquelle, lorsque Élie a d'abord rencontré Élisée, il n'a pas jeté sur lui premièrement son esprit, mais il a jeté premièrement sur lui son manteau afin que Élisée puisse le suivre. Alléluia. Pour ça que lorsque tu es auprès de Dieu et ton fils, tu vas d'abord suivre son manteau qui t'a permis de le suivre, qui t'a permis de l'accepter comme père. Mais les débats sur être fils sont des débats de fixation. Alléluia. Amen. Je dis des débats sur être fils sont des débats de fixation. Dès que tu ne reçois pas fixé, avoir le regard fixé sur ton père, dès que tu n'as pas compris l'intimité de ton père, dès que tu n'as pas compris le silence de ton père, il te sera difficile de recevoir sur toi ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons plaqué le nombre, sauf ceux qui sont influencés par le manteau du père, mais sans suivre l'esprit du père. Alléluia. Amen. Nombreux sont ceux qui sont influencés par le manteau du père. Sans suivre l'esprit du Père. Quand tu ne connais pas le manteau du Père, tant que tu ne le vois pas, tu ne peux pas dormir. Dès que tu ne le vois pas, tu ne peux pas manger. Tu es influencé par le manteau de ton Père. Mais lorsque tu es sur toi, lorsque tu vis l'esprit de ton Père, quand tu sors, on voit ton Père au travers de toi. Amen. Le nom pour laquelle est fils, c'est celui qui est capable de dire à son Père, Papa, suis-moi, mais je suis derrière toi. Est fils, c'est celui qui est capable de donner des idées au Père qui vont faire grandir le ministère. Mais n'est pas celui qui va se révéler dans le ministère du Père. Un fils n'est pas celui qui a des visions.
fils dans le ministère du Père. Amen. Un fils n'est pas celui qui a des fils sur la couverture du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'immaturité est dans l'église, avec le monde, parce que nous sommes déjà arrivés. Parce que l'immaturité nous caractérise à cause du manteau du Père qui est sur nous. On pense qu'on a déjà atteint un stade qui va nous rendre supérieurs à notre Père. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le manteau qui t'était le peut être arraché. Amen. Lorsque vous êtes énorme, si je ne me trompe énorme, il a été enlevé et il a monté avec le manteau, il a monté avec l'esprit. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillaient avec lui n'étaient pas capables de recevoir son esprit. Et le manteau avec lequel ils sont restés ne leur a pas permis de poursuivre la mission de leur père. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'esprit de leur père. Lorsque, en Exode, Dieu dit à Moïse, rassemble certaines personnes de ton peuple, certaines personnes du pâturage, rassemble-les. Je vais construire toi de ton esprit et je vais mettre sur eux. Pourquoi? Il ne dit pas à Moïse, quand je vais prendre sur toi le manteau et je vais remettre le manteau sur les disciples, sur ceux de l'assemblée, mais dit à Moïse, je vais prendre sur toi de l'esprit et je vais mettre cet esprit-là sur eux. Pourquoi? Parce que dans cette assemblée-là, il y avait quelqu'un qui était le nom de Josué qui était capable de continuer la mission que Moïse avait confiée. Alléluia. Mais est-ce que dans l'église, il est possible qu'on puisse avoir de l'église de Josué? Prophète, je me pose la question. Est-ce que dans l'église, on peut avoir des personnes qui sont capables d'être des Josué? D'être de la tête d'assignation, de recevoir l'esprit de leur père et de commencer à prophétiser. Et avant que le père soit levé, Dieu se lève à lui et me dit que moi, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui vas conduire le ministère à Canaan. Est-ce que l'église peut faire naître des Josué? Ils ne vont pas travailler avec le manteau, mais ils vont travailler avec l'esprit. Pourquoi? Parce que travailler avec l'esprit de son père, c'est travailler avec la conscience de son père, c'est travailler avec le sacrifice de son père, c'est travailler avec la mort de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que les disciples ont regardé Jésus-Christ. Les disciples ont eu les regards fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Adam, ce n'est pas par l'oreille, ce n'est pas par le nez, ce n'est pas par la bouche qu'il a reconnu que Ève était sortie de lui, mais c'était par les cieux. Je dis quoi? C'est par les cieux. Car Adam a reconnu que Ève était sortie de lui. Alléluia. Et c'est par les mêmes yeux. Après qu'ils eussent chuté dans le jardin, après qu'ils eussent péché, ils ont été chassés du jardin. Et c'est par les mêmes yeux que Adam va regarder Ève. Et il va lui dire, toi, tu t'appelles Ève. Tu te reconnais qu'il était dans le jardin. Est-ce qu'elle était sa femme? C'était le premier nom d'elle. Ma femme, c'est qu'elle est sortie de moi. Mais quand ils ont été chassés du jardin, il va la regarder, il va dire, tu es Ève. Le regard fixé. Alléluia. Et en la chapitre 2, les mêmes yeux qu'ils avaient eu fixés à la montée du Père, ils ont eu les mêmes yeux fixés dans la chambre. Lorsqu'ils étaient assemblés, et parce que de leur unité, ils ont eu un seul regard vers le ciel, ça a permis au ciel de changer automatiquement son emploi du temps. Ça a permis au ciel de changer les choses. Ça a permis au ciel d'activer quelque chose dans les disciples de rassemblés dans la chambre. Yes. Alléluia. Donc, tant que tu n'as pas le regard fixé vers le ciel, il te sera impossible de recevoir quelque chose qui va descendre du ciel. Amen. Alléluia. Tant que tu n'as pas les yeux fixés vers le ciel, il te sera impossible de recevoir quelque chose qui va descendre du ciel. Le nom de laquelle à la fois Jésus-Christ a regardé le ciel, il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque le Père a entendu cette parole, ça a poussé le Père à faire noircir le ciel. Ça a poussé le Père à faire gronder le ciel. Ça a poussé le Père à désirer le monde. Pourquoi? Parce que le Fils a eu les regards fixés vers le ciel. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, tout deviendra le ciel. Pourquoi? Parce que la pensée de David le faisait savoir que le secours ne peut pas venir de son père, ni de sa mère, ni de sa richesse, mais peut le venir du ciel. Alléluia.
je le dis bien, quelque chose dans Dieu qui n'a pas de regard fixé sur le ciel ne peut pas recevoir ce que c'est un démon. Alléluia. L'esprit de l'être est tombé sur les disciples à ce côté. Parce qu'ils ont d'abord les regards fixés sur le ciel. Mais ce qui veut plus verser le poil, les gars, des larges semblables à des langues de feu, leur a parlé. Et les larges avaient donc séparé les unes des autres. Mais ils n'ont pas commencé à parler à l'homme, ils n'ont pas commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que le moment où ils ont reçu une langue semblable à. Comment dirais-je? Une langue semblable à une langue de feu, ils n'avaient pas encore reçu la promesse. Mais ils avaient reçu l'ordre de la promesse. Et c'est pour ça qu'ils avaient reçu l'ordre de la promesse, ils avaient des brûlés, ils avaient le ciel, l'esprit avait remonté. Alléluia. 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 Pas parce que le Père a dit que tu appelles au ministère, que tu vas quitter l'église pour créer notre ministère. Amen. Pas parce que le Père à ce que tu appelles l'homme prophétique, que tu vas quitter le monde et créer ton ministère prophétique. Pas parce que le Père a vu en toi le talent, pas parce que le Père a vu en toi la paix, que tu vas te précipiter pour dépasser la paix. Et si tes disciples avaient commis l'erreur, lorsque une lame est tombée sur eux, un feu est tombé sur eux, ils étaient sortis, ils commençaient à parler, ils allaient les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le consolateur. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais il fallait que vous êtes tous les regards fixés vers le ciel. Nous avons fait être ma vie et vous. Il faudrait que nous puissions changer l'heure de l'impression pour l'heure de la concrétisation. Alléluia. Pourquoi? Parce que la première chose qui a disparu de nous, c'était l'impression d'avoir reçu. Alléluia. La première chose que les disciples avaient vécu, c'était une impression d'avoir reçu. Et je me répète, s'ils avaient détruit les regards vers le ciel, ils n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont resté, ils ont concentré leur regard deux fois vers le ciel. La vie va que c'est maintenant que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et ils vont commencer à prophétiser. Lorsque David a participé à tout ce que Jésus se passait, il a levé les yeux et il a crié. Jésus, fils de David, écoutez de moi. Et lorsque l'homme de nous pour le faire, il a doublé de force. Et il a prolongé ses regards. Il a concentré ses regards vers le ciel. Et le maître l'a entendu. Alléluia. Et le maître a fait quoi? L'a entendu. Lorsque Saul était sur la route de Damas, allant tuer les enfants de Dieu. Et Jésus dans ses regards a vu, son pied avait été touché. Sa main avait été touchée. Mais automatiquement, il était vers eux. Alléluia. Amen. Automatiquement, Saul devient quoi? Saul devient à eux. Pourquoi? Parce que celui qui s'est présenté à lui est une personne qu'on doit regarder devant, de haut, mais pas devant. Donc, celui qui demande quelque chose à Dieu et qui a le regard fixé vers le ciel et vers la terre va passer des années sans recevoir ce qu'il demandait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, pour commencer à prophétiser, il fallait que les disciples aient le regard fixé vers le ciel. Et je t'assure que ce soir, si tu n'as pas le regard fixé vers les hommes de Dieu, mais tu as le regard fixé vers le ciel, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Je dis, tu vas recevoir le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Tu vas sentir le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Recevoir l'Esprit par les yeux. Et comprenez que, à chaque fois que votre Père est près de vous, il est susceptible, il est probable, ou il est propice à ce moment-là de recevoir quelque chose de ce Père. Pourquoi? Parce que dès qu'il se lève, tu dis, je vais à la maison, tu as déjà quitté. Yes. Alléluia. Amen. Dès que ton Père de l'Esprit fils de l'homme à la maison, tu as déjà quitté. Et tu ne peux plus rien recevoir de lui. Donc lorsque tu es près de ton Père, il est possible que tu poses une action pour recevoir de lui son Esprit. Pourquoi? Parce que de nos jours, l'Esprit du Père n'est pas communiqué à sa mort, mais l'Esprit du Père est communiqué dans sa sagesse. Amen. Alléluia. Amen.
L'esprit du Père n'est pas communiqué à sa mort, mais l'esprit du Père communiqué à sa sagesse. Pourquoi? Parce que le Père a conscience que pendant qu'il est avec toi, il est déjà enlevé. Pendant qu'il est avec toi, il est déjà lévité. Alléluia. Amen. Pendant que ton Père est avec toi, ton Père est déjà avec toi, il est déjà lévité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Peut-être que ton Père avec toi, il est déjà enlevé. Il est déjà dans le ciel. Donc s'il n'a pas eu la conscience de sa sagesse, il ne pourra pas recevoir ce qu'il a sur lui. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la conscience de ta sagesse, tu ne pourras pas recevoir ce qu'il a sur lui. Amen. 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 Mets ta main sur ta tête. Dis, je dois recevoir l'esprit de mon Père. Je dois recevoir l'esprit de mon Père. Il n'entend pas parler. Dis, je dois recevoir l'esprit de mon Père. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Jésus-Christ va être annoncé, Jésus-Christ va être prophétisé par Isaïe. Et il va dire que le fils qui va naître va s'appeler Emmanuel. Mais quand je vous fais ma vie, jamais Jésus a été appelé Emmanuel. Pourquoi? Parce que l'Emmanuel dont Esaïe parlait est en réalité le Saint-Esprit qui allait toujours être avec les disciples avant l'enlèvement de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. L'Emmanuel dont Esaïe parlait était le Saint-Esprit qui allait toujours être avec les disciples, avec le monde. Pendant que Jésus sera enlevé. Alléluia. Donc si tu ne reçois pas l'Emmanuel de ton Père, il fait que tu aies les regards fixés sur ton Père. Jésus, pour vous là-dessus. Et apprends à défendre ton Père. Il doit te réaliser. Tu sais que ton Père est voleur. Il est dit, je sais que mon Père est voleur, mais c'est mon Père. Il doit te réaliser. Tu sais que Élisée est un menteur. Il dit, je sais, mais c'est mon Père. Ils ont dit Élisée. C'est que Élie, ton père, c'est un esprit. Il dit lui, je le sais, mais c'est mon père. Malgré tout les noms que l'on donna à Élie, et il dit que lui-là, c'est mon père. Or, si Élie s'était vraiment arrêté au stade du tombeau, jamais il allait comprendre les choses d'en haut. Jamais il allait pouvoir le bénir du jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a déjà fixé. Puis celui que Dieu est en mesure. Puis celui que Dieu, puis celui que nous avons accepté comme père spirituel. Et on a déjà fixé sur ces hommes-là. Parce que je le disais et je me répète toujours. Au stade du réveil, il fallait que on puisse avoir le manteau. Mais puisque les disciples, en Acte chapitre 1, ils avaient le manteau. En Acte chapitre 2, ils ont reçu l'esprit. Ils ne sont plus à l'état du réveil, mais ils sont maintenant entrés à l'état de l'éveil. Alléluia. Amen. Je me répète, les disciples, en Acte chapitre 1, ils avaient le manteau. Donc ils étaient à l'état du réveil. Mais en Acte chapitre 2, ils ont reçu l'esprit. Donc ils sont entrés à l'état de l'éveil. Amen. Je rappelle que Paul va dire à Timothée, ne dévise pas le don qui t'était donné par la position des mains des anciens. En d'autres temps, il va dire à Timothée, lorsque les anciens t'ont posé la main, ils t'ont communiqué l'esprit. Pourquoi? Parce que moi, je leur ai posé ma maison, je leur ai communiqué mon esprit. Et quand Paul dit, soyez des imitateurs comme je le fais pour Christ, en d'autres temps, il dit, recevez mon esprit, parce que mon esprit vous permet d'être semblable à Christ. Pourquoi? Parce que Paul a vu Jésus et ses yeux ont été transformés. Paul a vu Jésus, ses yeux ont été transformés. Lorsque Étienne était la vie, il a eu une vision. Alléluia. Les regards fixés sur nos pères. On peut se tenir levé. Je
Alléluia. Amen. Je suis venu préparer le chemin et veiller certaines consciences. Afin que lorsque les deux hommes de Dieu viendront, ils vont vous poser une base pour nous permettre de grandir notre esprit.